Une fois de plus, bonjour, bonsoir selon leur côté, hein? Et bienvenue dans l'étude nous avec Nicodème. Pendant que Wapantiches Baro nous espérait, nous souhaitait que la présence de bon Dieu capable de faire le senti. Et dans le moment ça, côté que les cas rendent l'esprit nous disponible et disposé à apprendre et à comprendre. Et ensuite, pour nous capable de l'ouvrir. Que nous tous pour nous une meilleure compréhension sur l'exacré Nicodème. Bon, et t'as le conseil d'en venir? Prends-tu chez Barou? Ok, et pour jeudi, mercredi, là, la troisième partie, là, c'est faiblesse et échec de Nicodème. Et comment on peut comprendre que un docteur de la loi, un pharisien, un docteur du peuple, un enseignant, capable d'échouer face à une rencontre avec Jésus? Mais ça s'est passé. Nicodème, le fait que la légende de Jésus, selon le récit biblique que nous trouvons dans Jean 3, à partir du verset 1er, alors, par économie de temps, nous ne parlons pas de tout verset, mais base étude dans c'est Jean chapitre 3. Dans verset 1er et verset 2, où est que Nicodème allait la nuit à joindre Jésus, l'a parlé avec Jésus, et lui dit Jésus, nous reconnaissons que vous êtes envoyé de Dieu. Donc, il n'est pas vraiment allé pour l'instruire, il n'est pas allé pour apprendre parce que un docteur de la loi n'a pas besoin de clarté, il n'a pas besoin d'instruction, non mais qui que ce soit, parce qu'il connaît déjà. C'est docteur de la loi. Il n'est pas allé pour te instruire, il n'est pas allé pour te confondre Jésus. Là, il est seulement allé pour dire Jésus, moi connais que moi-même, que ou son, ou qu'on accepte, parce que ça va faire là, c'est bon de pas t'avoir, pas faire là. Qu'on a c'est Jésus qui menait Nicodème dans le dialogue. Non. Et premier échec de Nicodème, c'est que il était allé la nuit. Nous devons comprendre ça. Jésus n'est pas en trop bonne harmonie avec les pharisiens. Les pharisiens n'ont pas trop Jésus de bon oeil. Jésus te semblé un révolutionnaire dans l'enseignement. Et où est Jean-Jésus mouri? Il est mouru parmi des malfaiteurs. Donc les pharisiens, yo, pas de Jésus depuis comment son ministère Jésus. Parce que ça l'a dit tellement pas matché avec l'enseignement pharisien. Les pharisiens ont dit, ah, nek ça pour le craser base noire. Donc, nous pas qu'à coller avec nek ça. Et donc, là, la nuit, premier erreur et premier échec de Nicodème. Deuxième échec de Nicodème, c'est que le Nicodème a parlé avec Jésus. Jésus posait une petite question. Jésus, dont il n'a pas été tout petit. Jésus dit, si on n'est pas né de nouveau, ou pas quand on aura celle-là. Nicodème pas devine faire discussion, mais Jésus rentre plus loin. Nicodème, on a répondu, comment on peut faire quand on est de nouveau, lorsqu'il fait grand monde? Est-ce qu'il peut entrer dans votre moment une deuxième fois pour le faire encore? Donc, ouais, c'est Jésus qui t'a mis piège pour Nicodème, qui mène Nicodème dans le débat. Nicodème pas devine pour ça. Mais, en tant que bon docteur de la loi, et en tant que bon observateur, pour un nèg d'où fois fait en deuxième fois, en bien femme qu'on est, qui côté ça fait déjà? Est-ce que ça a jamais fait déjà pour un monde fait en deuxième fois? Donc, l'ennemi diabolise Nicodème, c'est parce que nous manquons honnête, nous manquons sincère peut-être non. Parce que ça, Nicodème dit, tout intellectuel, tout bon monde sérieux, tu es supposé dire. Parce que question de fait en deuxième fois, c'est mon bagage qui jamais fait. Doctrine ça, les païens viennent avec la réincarnation. La réincarnation. Mais Jésus, dans le niveau, ça n'a pas parlé de réincarnation. Et Nicodème, connaît qu'en tant que bon pharisien, il n'y a pas quoi dans la réincarnation. Il posait la question, il tourait elle. Comment on fait pour le faire en deuxième fois? Est-ce que c'est entrer pour entrer, pour me chier votre maman, pour m'entrer encore, pour le repousser mon corps? Son question sensée. Mais le monde blâme Nicodème pour question ça. Le monde pensait que Nicodème est un imbécile, mais il n'est pas un imbécile, il a cherché à comprendre. Jésus dit,
C'est le processus de la nouvelle naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est le baptême. Naître de l'esprit, théologien, généralement traduit par baptême du Saint-Esprit. Mais comme dit déjà dans leçon 1, dans leçon lundi, naître de l'esprit, aller encore plus loin qu'un simple baptême du Saint-Esprit. Parce que l'aller au niveau de formatage de l'esprit, nous, ok? Pour nous retirer dans l'esprit ça, tout ancien bagage qui était nous était recordé là-dedans, tout ancien système, tout ancien enseignement, toute ancienne culture, pour nous reformater disant, pour nous venir dire ce qui vierge, pour nous quitter que c'est enseignement Jésus qui rentre là-dedans, mais c'est comme ça qu'on est du Saint-Esprit. Donc échec Nicodème, son échec que nous avons compris. Question qu'elle t'a posée. Son question que tout le monde a posé. Mais, question qu'elle t'a posé à tout, elle est bon pour nous. Même si on est dans une classe, on peut poser des questions, il y a un élève qui a posé des questions, mais l'élève a posé des questions, la réponse vient en lumière pour toute la classe. Nicodème n'a pas peur de poser des questions, il n'a pas peur pour tout le monde jouer imbécile, mais je vous dis, si nous tous nous avons une petite compréhension sur la nouvelle naissance, c'est parce que Nicodème t'a posé des questions et Jésus t'a balle plus éclaircissement sur lui. Alors, nous souhaitons que, après tes études, tout le monde qui pourra aller là, tout le monde qui peut suivre, ou qu'il prend un petit temps pour comprendre l'importance de la nouvelle naissance dans ça, je veux dire. Même si ou pas en l'autre monde, ou pas en l'autre Amos, ou pas en l'autre Madoché, ou pas en l'autre Fanuel, même les que Baptiste ou pas changé, mais. Nouvelle naissance, là, c'est lorsque vous acceptez Jésus dans la vie. Ou, et d'un coup, Jean-Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles dans tout point de vue, nouvelles surtout dans l'entendement. Que bon Dieu bénisse nous et que nous réfléchissons sur ça pour que chaque jour dans la vie, nous battons un nouveau, on crée une nouvelle à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Yon pov te sèl a kote gran chemè yon jèl te avè li pa te kap a mwen gali chiè.